Oh! Ben dis donc, ça commence bien. Nous sommes ici, bonjour, pour les énergies du lundi 30 août 2021. Nous sommes tombés au Yiking sur l'hexagramme 61, la vérité intérieure. Hop! Mais les chiens sont en train de faire un petit peu la fête. Oh my god! Qu'avons-nous là? Le 9 d'épée. Vous êtes en train de vous regarder ne pas agir. Mais pourquoi n'agissez-vous pas? Ah, d'accord. Vous attendez des signes. Vous attendez le signe que les choses. Je vais nommer les cartes. 9 d'épée. 6 de bâton. 6 de bâton. Voilà, c'est ça. Et vous avez besoin d'un signe pour vous remettre à l'action. Je dis vous remettre parce que j'imagine bien que si l'action est stoppée. C'est relatif. 6 de denier, vous êtes. Oh, très bien, très bien. J'attends le reste des cartes parce que jugement, providence, c'est ça. Vous attendez un signe, une providence. Il y a quelque chose. Vous avez besoin, diable à l'envers, my God. Ok, 6 de coupe à l'envers. Ok, on a le 6. De denier, le 6 de coupe, voilà quel bel équilibre. Valet de coupe, 3 de bâton. Je dis ça comme ça, mais il se ressemble un peu. Bon, sauf que lui, il est un peu plus mature. D'accord? Il est un peu plus mature. Sa place n'est peut-être pas aussi studieuse aussi. Oui, c'est ça. Lui, il est studieux, mais il est immature. Il n'est pas studieux, mais il est, comment dire, il sait que lui, il attend de pied ferme. Voilà, il y a quelque chose. Vous oscillez entre ces deux tendances, si je ne m'abuse. Vérité intérieure. J'en parle après ou maintenant? Je ne sais pas. Oui, vérité intérieure. Bon, je vais lire les cartes tout en m'imprégnant de la vérité intérieure, qui est un hexagramme sacré, un de mes préférés. Je les aime tous, les hexagrammes du Viking. Donc voilà, vous vous regardez, vous commencez la journée, vous vous dites, mais pourquoi je n'arrive pas à faire ceci? Pourquoi je n'arrive pas à faire cela? Eh bien, je vous le dis, vous êtes encadré de deux cartes qui disent exactement la même chose. Vous attendez, ni plus ni moins, quelque chose de providentiel qui vous montre, qui vous prouve, qui vous démontre que vous êtes bien sur la bonne voie. Qu'agir comme vous êtes censé le faire, et que ce que vous avez envie de faire est vraiment ce que vous avez envie de faire. Comme si, des fois, on a besoin de l'extérieur pour valider le fait qu'on a envie de faire les choses. Avec le diable à l'envers, dans ce jeu vice-versa, c'est un petit peu comme si on attendait que quelqu'un. On attendait que quelqu'un tourne le dos, clairement, là c'est le diable. Le diable, c'est l'homme et l'animal en même temps. C'est le surhomme, j'ai presque envie de dire, parce que c'est quelqu'un qui est conscient que l'homme n'a pas l'hégémonie. Et c'est ce qu'il a de plus que l'homme, le diable, c'est qu'il assume sa part animale. Quand il tourne le dos, c'est il ne vous voit plus. En tant dans le sens servage, je suis asservi à ma propre conception erronée de la nature. Vous voyez? Donc, le diable à l'envers est plutôt pas mal. Vous voyez? Les chaînes sont changées en protection. Vous êtes protégé par une forme de connaissance. C'est le diable dans le sens connaissance et pas dans le sens tentation. Non, vous n'êtes pas tenté à vous accrocher à des choses qui vont vous marteler à des plaisirs avilissants, dirons-nous. Non, non, non. Là, on vous dit, ces choses avilissantes vous ont tourné le dos ou vous tournent le dos ou n'ont plus de contact avec vous. Oui, c'est vrai, c'est ça, c'est vrai, c'est vrai.
Vous êtes en train de réaliser que quelque chose du passé, hein, parce que c'est ça, c'est 6 de coupe, à l'envers, on se méfie. On se dit, oui, ok, on a beau me proposer X, Y, Z, amour, qui me rappelle à quel point j'ai pu vibrer haut pour machin, machine, X, Y, Z. On a beau me rappeler tout ceci. Je n'en veux pas. Parce que je n'ai pas besoin de quiconque pour que mes coupes fleurissent. Parce que finalement, les souvenirs ne dirigent pas ma vie. Alors, couplez ça. En fait, c'est extraordinaire parce que couplé avec le diable, c'est formidable. Voilà. Et en plus, ça rime, vous pouvez dire. C'est ça. Vous vous rendez compte que les choses avilissantes ont vraiment disparu. Mais pour cela, il vous fallait ce petit clin d'œil de l'extérieur, comme quoi vous êtes sur la bonne voie. Ça peut être peu de choses. Mais vous verrez ça comme un clin d'œil divin. Je pense que c'est cela. Vous avez besoin demain. Ce n'est pas un besoin avilissant, sinon nous l'aurions à l'endroit. Non, c'est un petit besoin, un petit coup de pouce, un petit coup de pouce de l'extérieur qui vous dise, mais c'est bon, c'est bon. Parce que vous êtes conscient que cette peur, elle est débile. Hein? Vous en êtes conscient, on est dans le 9 d'épée. Quand vous réalisez, quand vous avez ce petit clin d'œil, qui vous fait réaliser que votre peur, elle est vraiment débile. Vous réalisez par le même temps que oui, qu'il y a vraiment quelque chose. Vous êtes ce diable, vous avez tourné le dos à des choses avilissantes, ce qui vous procure finalement la possibilité de concevoir et d'émettre vos plans, en fait. C'est-à-dire, le 6 de denier à l'endroit, c'est quand on a la certitude que ce que l'on projette, que ce que l'on a conçu, est faisable. Voilà. Et c'est ce qui vous met dans ce 6 de coupe à l'envers. Ah oui, bah c'est tellement faisable que non, 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 tu reviens pas. Vous revenez pas à mes souvenirs. Ok? Ce qu'il y a de beau dans mes souvenirs, je n'en veux même plus. Je ne veux même plus le transformer. Ce qui est tragique, ce qui est dramatique, je ne veux même pas le transformer en des choses joyeuses. Non, c'est fini. C'est fini. Vérité intérieure. Vous n'allez plus vous mettre en solidarité avec des gens qui finalement ne veulent d'intérêt que dans un espace-temps limité. Voilà. De gens qui vous aiment pour X raisons, mais pas pour la raison Y. Et encore moins pour la raison Z. Je ne sais pas ce que j'ai avec les X, Y, Z aujourd'hui. La vérité intérieure, c'est que vous êtes capable de ne pas avoir à vous justifier. Vous êtes capable de clairement dire, ah ben non, en fait, moi, tu sais quoi? Mes projets, c'est ça, 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 ça. 6 de denier. Mes projets, c'est ça, ça. Voilà. Ok? Et t'es pas là. Et t'es pas dedans. Tu fais pas partie de mon projet. Oui, c'est rude hein, ce que je suis en train de dire, mais non, c'est demain. C'est demain. Demain, il se passe ça. Vous passez d'une peur un peu, d'une fébrilité qui demande une sorte de justice divine, genre, non, non, je ne vais pas retomber dans cette fébrilité quand même. Pourquoi? Pourquoi? Vous avez conscience. Puis peu à peu, voilà, des petits signaux, mais oui, mais non, tout va bien, en fait. Tout va tellement bien qu'il n'y a même plus de raison de craindre le passé. Juste, quand je dis craindre le passé, c'est craindre notre passé. Les choses que l'on a faites ou que l'on a subies
que l'on trouve dégradante, peut-être, ou alors avilissante. Vous voyez, c'est plus avilissante. Ces choses ont disparu. Voilà. Et c'est parce que ces choses ont disparu que vous êtes capable de clairement dire ce qui. Voilà. De clairement affirmer vos prérogatives. Et ces prérogatives sont fermes. Vous voyez, ces deux personnages sont fermes et résolus. Et la vérité intérieure est ainsi. Je ne vais pas lire la vérité intérieure, je n'en ai pas besoin, mais je m'en inspire. Vous êtes capable de trancher. Vous êtes capable de faire preuve de clarté, vérité intérieure. La vérité n'est pas forcément belle à voir. La vérité est bien souvent monstrueuse. Vous n'avez pas à vous cacher derrière des masques. Vous n'avez pas à plaire ou à déplaire. Des fois, on déplaît pour mettre à l'écart. On fait exprès de déplaire. Moi, j'ai souvent pratiqué ceci. Là, non. Vérité intérieure. Vérité intérieure. Je présente ce que j'ai conçu. Je suis capable de le présenter, de le montrer. Je conçois les choses comme ça parce que je ne crains plus rien. Je n'ai plus à craindre le moindre avilissement et je n'ai plus à craindre, je ne sais pas, que l'on me vole, que l'on se moque. Vous savez que ce que vous avez conçu, vous avez eu les petits signaux, c'est bon. Ça marche, ça roule. Vous êtes sur le bon chemin. Mais si de coup, vous restez comme ça. Ah, tu reviens passer? Tu reviens me convoiter? Tu trouves que mes coupes sont florissantes? Je n'en dirai pas plus. Mais c'est comme ça que vous finissez. Parce que vous, la vérité intérieure comprend les cycles. Et vous savez très bien, je l'ai déjà dit il y a peu de temps, hein, vous savez très bien qu'à un moment donné, quand le vent tourne en votre faveur, vous allez attirer les rats, les rats, les rapaces, comme chantait Barbara, n'est-ce pas? Ceux qui se vanteront d'avoir bu avec vous la soupe populaire. C'est un peu de ça qu'il s'agit, j'ai l'impression. Demain, vérité intérieure. Sur ce, je vous dis à bientôt, armoire.